Mais j'ai envie de chill aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Est-ce que j'ai envie de jouer Lilia? Le truc, c'est que Lilia, c'est vraiment pas ouf en ce moment, on est d'accord, hein? Attendez, je réfléchis. En soi, j'ai envie de jouer Lilia, mais... Profite de l'item assassin, il énerve dans 2 jours. Bah Lilia, en vrai... C'est quoi les builds sur Lilia, ATM, là? Liandry. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le nouveau démonique Ambrase, en vrai. Moi, je peux tester une Lilia avec Couronne Zonia, genre... Bon, c'est très défensif, quand même, Couronne Zonia. Dark Harvest. Là, tu joues Liandry. Ou alors, ouais, il y a Liandry Démonite en vise. Couronne Cosmic Drive. Après, c'est logique. Si tu joues Liandry, tu joues le démoniaque. Si tu joues Couronne, tu joues autre chose, quoi. Après, bon, t'as 5% de mauvaise speed sur l'item, ok. Mais sinon, le problème, c'est que le passif, c'est quand t'as touché tes spells, quoi. Alors que Lilia, le but, c'est d'aller vite avant de toucher ses spells. On va faire Liandry sur Lilia, je trouve ça dommage. Ouais, mais je trouve qu'on est dans une méta, on peut pas tanker, en fait. Y a pas le temps de dot. Y a pas le temps de mettre des dots, quoi. C'est du pur one-shotting. La couronne est donc plus intéressante dans cette ambiance. Niveau de la page rune numéro 2, je crois qu'ils font pas ça. Ah ouais, fait la mauvaise speed. C'est vrai que je vais manquer un peu de... Mais en vrai, par contre, ça peut être pas dégueu, en vrai. Compenser le fait de pas jouer Predator par une belle move speed, ça me plaît. Reste concentré. J'aime bien te parler, Rêve. Je contre God Jungle. Pardon. Dès qu'il y a un truc exotique, je me fais toujours péter le cul, de toute façon. À croire que j'aime ça. Il est rapide le clear de Lilia quand même. Urgot il a quoi, 16 camps? Je suis censé pouvoir l'embêter là. Parce que là ça veut dire qu'il fait son gromp. C'était YOLO quand même là, hein. Je pense qu'on est d'accord. Ah, si j'avais mieux flash, je serais peut-être mort en fait. Je sais pas. Je préviens qu'il arrive bot, comme ça ils savent. Par contre, je crois que là c'est une des périodes. Je sais pas si vous le ressentez en stream et tout, mais je pense que c'est une des périodes où je suis le plus fort à LoL là actuellement. Là. On va tester la couronne. Hein. J'ai vraiment l'impression que D1 c'est silver pour moi, tu vois. Et même au niveau des scores, quoi, je lâche tout le temps 15 kills plus en perma, tu vois. Peu importe la gueule de mes mecs. Sur le main, je reste assez simple, je trouve. Pas de dingues. Je rate aucun early quasiment. Ce qui aide, hein, bien sûr. J'espère que ça va continuer comme ça. Oh, mais je savais pas qu'il avait ses HP là, moi. M'a rien dit. Ouais. Bah GG, hein. Ouais, j'espère que je vais pas perdre ce niveau, ouais, clairement. Et pour pas perdre ce niveau, faut pas que je fasse de grosses pauses, quoi. Faut pas qu'il y ait trop de gros changements sur les patchs. Mais là, je me suis vachement bien adapté à la saison 12, hein. D'habitude, mes adaptations sont catastrophiques. Je vais faire ça et je vais mettre un E, je pense. Pour avoir la mauvaise speed le plus longtemps possible. Ah, mais il est parti là. Il est parti. Il est revenu. Le gank, il a peu de chance de passer là. On va faire venir ça là. Ah bah toi frérot, je vais pas te lâcher, hein. Je sais pas si le flash était nécessaire en vrai. C'est là où LOL est une drogue en fait. Le problème de LOL c'est que si tu t'arrêtes, tu dis un étron quoi. Il est là le véritable problème. Mais ça, ça va être une free play pour moi, hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Je tombe la tour et mid là-dessus. Après, bon, faut dire, je suis en winner queue sur. En vrai, actuellement, je crois que je suis en winner queue sur tous mes comptes. Hein. Même les petits détails comme ça, je les laisse pas au hasard, c'est cool. Par contre, là, j'ai beaucoup de gold. Hein. Bref, faut dire, le D1 aussi, enfin, mécaniquement, tout, y'a rien qui va. Mais non, mais je suis allé sur la map, genre...
sais pas comment dire, mais genre, je sais tout le temps ce que je dois faire, quoi. Sans que ça me fatigue en plus, c'est vraiment cool, ouais. Inter, mes nefs demain. Ouais, bah là, j'ai même pas encore l'item, donc. Sur Lilia, en vrai, là, je teste couronne, mais Liandry restera ok, tu vois. Après, je pense que Lilia, c'est pas très fort en ce moment, clairement. Moi, je conseille pas Lilia pour monter, hein. Après ouais c'est clair, l'apaisement a bien un rapport avec le fait que je sois en winner queue quoi. Là y a pas de débat. Et c'est même pas que genre j'ai des bons joueurs hein. Ouais, elle joue clean celle. C'est que j'ai pas de mec qui run down pur tu vois. Ils sont pas forcément bons, ils sont pas... Putain, j'hésitais entre... J'aurais pas dû y aller, hein. Je suis un fou furieux. Avec mon Medjay et tout, là, rentrer là-dedans, la porte de sortie était quasiment inexistante. Ça a donné beaucoup à Kyurgot. Ok. Après, il joue létalité, donc c'est moins grave, j'imagine. Medjay 0, il fait mal au cul, quand même, là. Ah, c'est vrai qu'avec Liandry, là, ce teamfight-là. Après, bon, faut se dire, pas de chance de tomber sur un teamfight dans lequel Liandry aurait été meilleur, tu vois. Après, j'aurais dû faire selon la compo, hein. Tu regardes, y a pas d'assassin, en vrai. Pas d'assassin égale pas de couronne, hein. Si tu réfléchis. En vrai, tu vois, y a peut-être un monde où j'ai juste pas réfléchi de la bonne façon, tu vois. Faut que je m'adapte, tout simplement, quoi. Je les ai enculés là. On a récupéré tous nos stacks. Après bon, le timing flash, c'est pas un timing que j'ai tout le temps. Vas-y, prends-le, je m'en branle. Je pense que je fais quand même démonique en 3, non? Sans flash, ça, c'est pas pareil à jouer quand même. C'est pour ça que Predator c'était pas mal quoi, tu pouvais quand même faire des petits engages. Par contre, je fais mal, bordel. Même au niveau de mes sidesteps et tout, j'ai l'impression que c'est Smash Bros qui m'a fait progresser, genre. Enfin, no troll. C'est depuis que je spam Smash Bros que j'ai l'impression d'être beaucoup plus fort à LoL. Et pourtant, je sais pas comment vous expliquer, mais quand Smash Bros, j'ai compris qu'il fallait passer son temps à faire des feintes d'y aller et de repartir, et que j'ai adapté ce gameplay là à LoL sur certains moves, notamment dans les teamfights, jamais dans les escarmouches par contre. J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Genre là, c'est parce que j'ai fait 40 feintes que je les ai baisés, tu vois. Ils ont cru 3 fois que j'avais all-in, bon, jamais all-in, tu vois. C'est le même délire que Smash, tu vois. Bon bah Medjay 25 hein. Heureusement que j'ai la couronne. Au final c'est vrai que le Predator, je sais pas, ça va en vrai. Je pense que j'ai un power spike très énervé là. On n'a pas de Zhonya, mais d'un autre côté, Zhonya contre Caitlyn, c'est pas worse, hein, c'est pas un item que t'as envie de faire. Et je pense que dans tous les cas, ça aurait dû être une game Liandry, pour être honnête. Le Cosmic Drive, j'arrive pas à savoir si c'est bien, j'ai pas ressenti en fait. Tout à fait franc. Peut-être que si en vrai, hein. Peut-être que c'est bien, mais que je le ressens pas. J'ai pas Liandry pour le Nash, c'est dommage. Mais j'ai au moins le Cosmic. Non, mais lui, c'est un fou furieux, hein. Bah oui, frérot, toujours plus, ouais. Oh, Urgot létalité, c'est... ça pique.
Les mecs, j'ai mal au cul en fait. Le cul est rempli de racines là. Je sais pas si c'est normal, mais. Contre Jolilia après, je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de jouer des trucs un peu chelous, mais bon. Qui reste partie de mes champions. Je fais mal quand même, hein. Normalement, je fais pas aussi mal, hein. Bon, on va essayer de respecter là, mais j'ai un flash là, hein. Moi, je peux pas air. What the fuck, je l'ai pas touché avec moi là? Je l'ai pas touché là, vous êtes en train de me dire là. Oh, il fait trop mal, frère! Putain, mais c'est une mitraillette gun, lui! Vous avez... Putain, il m'a dégommé le cul, hein! Il me dégomme le cul avec Urgot létalité, hein! Ah, par contre, j'avoue que j'ai traversé les lignes ennemies pour aller tuer la backlane, là. C'était marrant. C'était agréable, en vrai. En vrai, j'aime bien Lilia, hein. Talia Lilia, ça me fait du bien de les jouer ce soir, là, honnêtement. J'ai envie de chill ce soir et je joue des persos qui m'amusent. Enfin, je sais pas. Je prends trop de plaisir, là. Après, bon, je leur pète la gueule, donc ça m'amuse, mais. Y'a pas de Nash, moi je vais prendre cette wave parce que si on prend pas cette wave, mesdames et messieurs, elle se crash. Hors de question qu'une wave se crash. Alors vraiment j'apprécie mais j'étais pas obligé de me péter la gueule quoi. Si je pouvais poser... Enfin, je suis pas là pour mettre la mauvaise ambiance, tu vois, mais... En vrai, c'était pas dans l'obligation de me péter le boule et de me le mariner, quoi, dans une cocotte minute, quoi. Attends, mais on a Vel'Koz dans la game, là? Ah, je veux bien être très chill, mais quand même, là. On a un Vel'Koz. En plus, il a pas l'air d'être mauvais, hein. Je l'ai même pas remarqué. Mais le bonus passif, c'est complètement broken, en fait. C'est pour ça que ça joue couronne. 3% de vitesse avec de la paix. Ah, ok, les frérots. En fait, l'item est broken surtout à cause de ce passif, en fait. Les meilleurs stats du jeu combinés ensemble. 4% de vitesse et 32 d'AP, là. Avec le mid-gen qui donne de la vitesse. Ouais, non, mais c'est... Moi, je viens de comprendre pourquoi c'était fort, en fait. D'où l'intérêt de le jouer sur Lilia. Oui, clairement, là, il y a tout, quoi. C'est un item que l'on pourrait appeler salade tomate-oignon. Ouais. Parce que moi là je suis très lent, hein. Voilà le petit sidestep que j'ai. Merde. Bon, je sers à rien là. Non, mon poison! J'ai servi à rien. Item va juste perdre 10 d'AP. Ah, ça sort encore, hein. 10 d'AP, c'est le seul nerf, c'est 10 d'AP, il se sort, hein, l'item. Ouais, je vais regarder les dégâts. Putain, mais si j'avais fait un dernier teamfight, je serais devant. Je dois avoir... combien j'ai de victoires cumulées sur tous mes comptes, là? J'en ai 11, 2 sur l'autre, et ici, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sur mes 3 comptes, j'ai 18 victoires d'affilée actuellement en stream, là. Ouais, tu m'étonnes que je suis plutôt... Ça va en ce moment, les lives, ouais. Ouais, j'ai bien réfléchi, c'est peut-être normal, en fait, que ça aille pas mal. Non, en ce moment, je sais pas, je suis de bonne humeur, c'est vraiment le hasard, je pense. LOL est pas mal en ce moment, vous trouvez pas? Il faut absolument que j'aille uriner, en vrai.